guéri, délivrer notre pays. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Seigneur, nous avons longtemps entendu les secours des Européens, les secours des Américains, les secours des pays étrangers. Mais ce soir, nous levons tous nos yeux vers toi pour reconnaître que les secours ne viennent que de toi. Car c'est toi qui as fait les ciels et la terre, et c'est toi qui es le roi du Congo. Seigneur, s'il y a un président au Congo, mais nous croyons que tu es le roi des rois. Et nous croyons que tu es au-dessus du gouvernement des Congolais. Tu es plus que le gouvernement, tu es plus que le parlement, tu es plus que les politiciens, tu es plus que les opposants. Lève-toi, mon Seigneur, car Congo t'appartient. Dis un seul mot, afin que notre pays soit sauvé. Nous te disons merci, parce que tu as été à l'écoute. Nous disons merci, parce qu'en ce moment, tu es en train de changer beaucoup de choses. Seigneur, nous attendons entendre que tu as changé quelque chose dans notre pays. Nous allons nous souvenir que nous avons prié en Irlande, dans cette église, et tu nous as exaucés. Nous te disons merci, parce que tu es Dieu. Bénis tout un chacun qui a pris de son temps. Seigneur, je sais que ce n'est pas au hasard que tu as permis que pendant que nous étions en jeûne, que cette prière pour le Congo puisse intervenir. Je sais que tu fais chaque bonne chose en son temps, et laisse que cette prière apporte un grand changement dans notre pays. Et cela au nom de Jésus. Que l'honneur, la grâce, la majesté te soient rendus parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, les saints t'acclament. Et nous disons merci, Seigneur Jésus.